Et bah bonjour à tous mes petits pêches, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super, et soyez bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc du 14 au 18 septembre, ce sont les fêtes de Wallonie. Donc dans ces vidéos, je vais vous parler de ce folklore. Donc dans ces vidéos, je vais vous parler de l'histoire des fêtes de Wallonie, donc plus particulièrement des fêtes de Wallonie à Namur. Donc voilà, donc sans plus attendre, commençons tout de suite la vidéo, donc c'est parti. Donc depuis de nombreuses années, les fêtes de Wallonie sont considérées comme l'événement populaire le plus important dans le sud de la Belgique avec plus de 300 000 visiteurs. Chaque année, ces festivités conviviales se déroulent durant le troisième week-end de septembre dans tous les quartiers de la capitale wallonne qui est Namur. Carrefour culturel et folklorique, le concept des fêtes s'inscrit dans une ouverture plurielle à la musique, au folklore, à la gastronomie régionale et aux traditions. Donc maintenant je vais vous parler du comité central de Wallonie, donc le CCW. Donc c'est une ASBL comptant une petite centaine de membres bénévoles qui, grâce à leur travail acharné, vous permettent de vivre pleinement cet événement incontournable de la Wallonie. Garant des traditions depuis 1923, le comité central de Wallonie prend part à l'organisation des fêtes de Wallonie et propose diverses activités à découvrir. Donc maintenant je vais vous parler de l'historique des activités du comité central de Wallonie. Donc c'est en 1923 que le député François Bovesse crée un comité chargé de célébrer les fêtes de la Wallonie. Avec 14 autres membres fondateurs, il crée ainsi le CCW, donc le comité central de Wallonie. Accompagné de 7 présidents de quartier, ils organisent les premières fêtes de Wallonie. Donc il faut savoir que cette année, donc en 2023, c'était la 100e fête de Wallonie. Donc dès leur création, les fêtes de Wallonie sont remplies de chansons, de joie de vivre, de truculence, mais aussi d'actes de reconnaissance et de pitié. Un de ces signes importants est le pèlerinage au cimetière de Belgrade. Il est un signe à caractère hautement patriotique rendu et voulu par les fondateurs aux héros de 1830, de 1914-18 et par leurs successeurs aux héros de 1940-45. En 1928, les joutes littéraires sont instaurées. Les poètes et les compositeurs lauréats reçoivent un prix en bijoux, le Gaillard d'argent. Celle-ci sera remise par la suite aux serviteurs de la cause wallonne ou aux personnes s'étant illustrées pour la renommée de Namur. En 1937, Joseph Calauzet succède au président Bovesse, devenu gouverneur de la province de Namur. Les heures pénibles de la guerre marquent cruellement le comité central de Wallonie. L'assassinat de François Bovesse à son domicile en février 1944 et la disparition héroïque de Jean Calauzet sont autant de meurtrissures. Reste cependant les paroles d'espoir de notre président fondateur gravées aujourd'hui dans le bronze du parvis de la Maison de la Culture. Ceux qui demeurent quand tout s'écoule, c'est l'âme, c'est l'esprit. Dès lors, deux fois sur l'année, le comité central de Wallonie rend hommage à François Bovesse. Une commémoration a lieu en février, le dimanche proche de la date de son assassinat, et une autre est célébrée en septembre à l'occasion des fêtes de Wallonie. Le comité peut également s'enorgueillir d'avoir ressuscité le folklore namurois. En 1947, une commission sous la présidence éclairée de l'académicien Félix Rousseau reconstitue les groupes des échasseurs. Les fêtes de Wallonie seront le prétexte de la reconstitution de plusieurs groupes folkloriques. En 1952, deux cantines en wallon sont exécutées par la chorale des 22 en l'église Saint-Jean. C'est la première entrée officielle du wallon dans la liturgie. C'est le départ de la célèbre messe en wallon du lundi des fêtes. Depuis de nombreuses années, la route des plaques et du patrimoine est organisée à travers la ville. Il s'agit d'une marche qui, suivant une thématique particulière, parcourt la capitale wallonne et qui a pour vocation commémorer des personnages illustres ou parfois moins connus qui ont influencé la ville de Namur et de ses habitants. Elle met également en exergue le milieu naturel, le patrimoine architectural de la ville et son folklore.
Depuis 1991, les Walloniades animent la place Saint-Aubin le samedi des fêtes. Il s'agit d'épreuves sportives basées sur des jeux anciens pratiqués autrefois lors des joutes populaires. Ce spectacle divertissant amène chaque année un public de plus en plus nombreux sur la place, toujours dans la bonne humeur. Le comité central de Wallonie tient à maintenir une tradition de reconnaissance de l'activité commerciale au sein de la capitale de la Wallonie. C'est pourquoi depuis 2009, le prix du comité central de Wallonie aux commerçants namurois est remis dans le cadre des fêtes de Wallonie. Il ne constitue pas une gratification financière, mais une reconnaissance sur base de certains critères. Plus récemment, depuis 2017, le comité central de Wallonie a mis en place avec la collaboration de l'ASBL Namur Centre-Ville un concours de vitrine au cours duquel les commerçants namurois participants décorent leur devanture à partir d'un thème défini. Et enfin, depuis le 16 décembre 2021, les joutes sur échasse de Namur sont désormais inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, donc comme le carnaval de Binche, le doudou de Mons, la Ducassoit et plein d'autres. Donc une belle reconnaissance qui intervient 5 ans après le dépôt de candidature auprès de l'UNESCO et une pétition de soutien qui avait recueilli pas moins de 26 000 signatures. Donc juste avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler du folklore namurois, donc qui sont les échasseurs. Donc les échasseurs namurois perpétuent une tradition attestée dès 1411. Donc l'origine de ce folklore viendrait de la nécessité de se déplacer dans Namur quand les crues inondaient les rues au Moyen-Âge. Ayant pris cette habitude, les Namurois ont par la suite utilisé les échasses pour se défier entre quartiers et des représentations de combats étaient offertes aux grands personnages en visite. Parmi les équipes participant aux joutes, il y a les Mélans de la vieille ville et les Avresses provenant d'au-delà des murs. Ils constituent les groupes actifs actuels. Donc voilà concernant les fêtes de Wallonie. Donc j'espère que vous avez appris par rapport à ce folklore. Donc évidemment, les fêtes de Wallonie ne se font pas que à Namur, elles se font aussi dans d'autres villes, donc à Liège, à Charleroi, à La Louvière, et prennent un éclat tout particulier dans la région liégeoise où elles s'engrènent historiquement de commune en commune durant tout le mois de septembre. Donc c'est la fin de ces vidéos, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et ciao à tous.